Good morning. It's a great pleasure to welcome Chairperson Faki here to the State Department, to Washington, for what is now our ninth high-level dialogue between the African Union and the United States. I think this reflects the vital and increasingly close partnership between the United States and the AU, and it also reflects the critical role that the AU plays, not only regionally, but around the world. That was further reflected in the fact that the AU was welcomed into the G20 just this year. Cela reflète le rôle vital et croissant que notre partenariat entre les États-Unis et l'Union africaine joue, et le rôle critique que joue l'Union africaine au niveau régional et au niveau mondial, chose qui a été reflétée par l'intégration de l'Union africaine au G20 cette année. We are partners in working to strengthen democratic institutions, to provide for regional security, to deal with the most important challenges that our people face, whether it's dealing with climate change, food insecurity, infrastructure, global health. In each of these areas and more, the African Union and the United States are partners. Nous sommes partenaires pour renforcer les institutions démocratiques et pour faire face aux questions sécuritaires et à toutes les difficultés auxquelles font face nos peuples, dont le changement climatique, la sécurité alimentaire, tout ce qui a trait aux infrastructures, à la santé de par le monde. Les États-Unis et les Africains sont des partenaires forts. The relationship between the United States and the African Union is maybe the best example of our commitment and our conviction that when it comes to Africa, it's not what we're doing for Africa, it's what we're doing with Africa and in support of Africa. La relation entre l'Union africaine et les États-Unis est un excellent exemple de notre engagement, de notre conviction qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose pour l'Afrique, mais plutôt avec l'Afrique et en soutien à l'Afrique. So it's a great pleasure, my friend, to welcome you here to the State Department. Thank you for being here. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Je suis heureux de venir aujourd'hui à Washington pour prendre part à la 9e session du dialogue de haut niveau avec les États-Unis, qui correspond presque exactement au 10e anniversaire de l'accord qu'on a signé, qui a institué ce dialogue entre l'Union africaine et les États-Unis. Thank you very much, Secretary of State. It's a pleasure to be here in Washington for the ninth high-level dialogue that we have with the United States. In fact, it coincides with the 10th anniversary of the agreement that we've had since we have started this dialogue. Sur la lancée du dernier sommet qui s'est tenu ici en décembre entre les États-Unis et l'Afrique, je crois que les priorités de notre partenariat sont connues, vous les aviez énumérées, sur les questions de paix et sécurité, sur la question de la démocratie, sur les questions de développement, sur les questions de changement climatique. Nous avons un partenariat fructueux et nous souhaitons l'élargir et l'approfondir. In fact, since we've launched this dialogue and also we've had our meeting between the United States and Africa, the priorities of our partnership are well known, as you yourself described it: peace and security, democracy, development, climate change, and this partnership is very fruitful. We want to expand it and even deepen this partnership. Donc, vraiment, nous sommes venus pour faire le point à l'occasion de ce 10e anniversaire. Et insister sur la nécessité d'aller de l'avant. Je crois qu'il y a large possibilité de développer ces relations dans les différents domaines qui sont les priorités du continent et qui, je le sais, sont également les priorités des États-Unis. In fact, we've come in order to take stock of what we have been doing on the occasion of this 10th anniversary and stress that there is the possibility of our expanding partnership. And then to raise it to a higher level and also deal with the issues that you have already mentioned and also the partnership that the continent has with the United States. Thank you. Thank you. Mr. Secretary, any comment on the opening of the Rock Day?